Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la table ronde consacrée aux femmes journalistes. Femmes journalistes au pluriel, parce qu'il n'existe pas un seul et unique modèle de femme qui exerce cette profession, mais une multitude de façons d'être journaliste, une infinité de manières de pratiquer ce métier. En témoigne la diversité des ouvrages et des approches proposées par les trois invités de cette table ronde. Cette rencontre est organisée par le Centre de recherche sur les médiations, le CREM, représenté ici par son directeur, Jacques Walter, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, co-directeur de la revue Questions de communication, co-fondateur du dictionnaire encyclopédique et critique des publics, le Publictionnaire, dont on peut retrouver les notices en ligne. Merci Jacques de nous faire l'honneur d'animer conjointement cette table ronde. Alors, comme chaque année, les équipes du festival et celles du CREM proposent un espace qui s'appelle l'écho du savoir et qui permet de faire dialoguer les chercheurs et les professionnels du journalisme et de la création littéraire. Alors, avant de présenter nos invités, petit point sur les mesures sanitaires. Seuls les intervenants de la table ronde sont autorisés à enlever leur masque le temps uniquement de la rencontre, et ce, pour faciliter les échanges. Les dédicaces avec les auteurs pourront avoir lieu à l'issue de la rencontre et à l'extérieur, dans les jardins de l'Esplanade. Voilà, nous vous remercions de votre compréhension. Alors, pour échanger à présent sur la thématique qui nous réunit, les femmes journalistes, nous sommes ravis d'accueillir Hélène Legray, Denis Rouelland et Marie-Ève Terranti. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Hélène Legray, vous êtes journaliste et écrivaine, vous êtes pionnière du journalisme sportif féminin, ancienne journaliste au service des sports de France Inter et Europe 1. Vous avez publié 19 romans qu'on pourrait qualifier d'historiques, des récits qui dévoilent votre Catalogne natale. Vous collaborez également à un diplôme universitaire de photojournalisme, ce qui réunit peut-être aussi nos intervenants, à l'Université de Perpignan. Et vous venez aujourd'hui nous parler de votre 20e roman, qui s'intitule « Nous étions trois », publié aux éditions Kalman-Lévy. Et cet ouvrage, il se distingue assez nettement de vos livres précédents. C'est l'histoire d'Élise, Clémence et Noël, que vous appelez les trois mousquetaires de France 1. Alors, vous nous direz un petit peu de quel média il s'agit, hein, France 1. Et donc, cet ouvrage, ce sont trois femmes qui tentent quelque part de faire leur place dans le milieu du journalisme sportif des années 80. C'est un livre fort où se succèdent des scènes d'intimidation, des remarques déplacées, si ce n'est misogynes. Et c'est aussi une immersion dans les coulisses des studios de radio parisienne jusqu'au Stade français, mais aussi à travers le Tour de France. Et ce récit est largement inspiré de votre expérience vécue de journaliste. Vous allez nous en parler juste après. Denis Rouelland, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à Sorbonne Université, directeur adjoint du CELSA, l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. Vos recherches portent sur le journalisme, plus particulièrement sur la construction de l'identité professionnelle des journalistes en France. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur cette question. L'un d'entre eux est d'ailleurs devenu un classique. L'ouvrage s'intitule « Le professionnalisme du flou ». Bon, je ne dis pas les sous-titres, hein, on pourra aller voir les fiches sur le site internet du festival. Et plus récemment, vous vous intéressez à l'attachement des journalistes à leur métier, à leur propre métier, mais aussi à leur trajectoire. Alors, vous avez publié en 2018 « Reporter de guerre » avec un « e » au mot « reporter », « goût et coût ». Et c'est notamment de cet ouvrage que nous allons discuter. Cet ouvrage, il est composé d'entretiens, mais aussi de portraits, une galerie de portraits, 15 femmes qui ont illustré le reportage de guerre, depuis André Violis, né en 1870, jusqu'à Manon Quéreuil, né en 1980. Vous cherchez, en fait, à travers ces générations, vous cherchez des régularités, des invariants, des caractéristiques communes, avec beaucoup de prudence, quand même, avec des nuances, au regard de ce que vous appelez le chaudron de l'analyse sociologique. Marie-Ève Terranti, vous êtes professeure de littérature française à l'Université Paul-Valéry Montpellier, directrice du centre de recherche RIRA, bon, c'est des acronymes universitaires, représenter, inventer la réalité du romantisme à l'aube du XXIe siècle. Vous êtes spécialiste des rapports
entre presse et littérature. Vous avez publié de nombreux ouvrages de référence sur ces croisements, dont un ouvrage notamment, La littérature au quotidien. Et récemment, vous avez publié aux éditions CNRS un ouvrage qui s'intitule « Femmes de presse, femmes de lettres » de Delphine de Girardin à Florence Aubenas, l'invitée d'honneur du festival. Et votre livre a remporté le prix Recherche des Assises du journalisme 2020. Dans cet ouvrage, il est question de la progression des femmes dans les journaux généralistes. Vous dressez un panorama très riche des figures, de 6 modèles dont on reparlera, du début du 19e siècle jusqu'à 1944, avec en conclusion trois portraits contemporains, notamment avec celui de François Giroux, de Marguerite Duras et de Florence Aubenas. Alors, vous cherchez quelque part, Marie-Ève, à réhabiliter la place des femmes dans l'histoire de la presse et également à observer si les femmes journalistes sont à l'origine de pratiques, de postures ou de poétiques innovantes. Alors voilà pour la présentation de nos invités et des ouvrages. Ces trois ouvrages qui viennent d'être présentés, ils ont en commun de questionner la notion de genre masculin, féminin, hein, pour parler du métier de journaliste. Et cette question, vous le savez, elle est particulièrement vive aujourd'hui, hein, pour preuve les différentes tribunes signées par les femmes journalistes dénonçant les rapports inégalitaires entre hommes et femmes. Dans le sillage des mouvements qu'on connaît, hein, les sillages de mouvements de libération de la parole ou du mouvement MeToo. Alors, on va peut-être commencer par cette question. Est-ce que vos projets s'inscrivent dans ces événements récents? Quelle est la genèse de vos projets, de vos livres? Comment en êtes-vous venue à parler des femmes journalistes? Hélène, je vous en prie. J'aurais dû me taire. Ça fait plaisir de retrouver le micro. C'est quand même mon premier métier. Donc, c'est vrai que moi, je n'avais jamais pensé écrire sur mon histoire. Je n'ai pas d'égo surdimensionné suffisamment pour se dire que ça peut être intéressant. J'ai toujours raconté l'histoire des autres pendant 19 romans. Et pourtant, là, ça fait 3-4 ans que ça me travaillait. Parce que de constater effectivement que les choses n'avaient pas évolué en 35 ans, parce que j'ai commencé en 84 à la sortie de l'école supérieure de journalisme de Lille, donc j'ai fait de 82 à 84, 58e promotion. Alors je précise une chose, ce n'est pas du tout pour me mettre en avant, mais pour vous expliquer que le choix du journalisme sportif n'était pas par défaut. Je suis sortie major de ma promo. Et il y a Alain Danvers qui était venu me chercher pour intégrer le pool des reporters de TF1. C'est mon choix de faire le sport à France Inter quand je sors. Parce que je voulais le faire quand j'avais l'âge des sportifs, ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai arrêté en 92, j'avais 31 ans. C'est à peu près à cet âge-là que les sportifs raccrochent en général, sauf quand ils s'appellent Roger Federer, bien évidemment. Mais voilà. Et donc, je pensais pas l'écrire. Et il y avait des tas de signes qui faisaient qu'on trouvait, avec mes camarades, parce qu'on est toujours restés en lien, hein, quand je dis mon livre s'appelle « Nous étions trois », on est toujours très amis, et même si Marianne a disparu maintenant, mais on était toujours restés en contact, et ce qu'on se transmettait de ce qu'on pouvait remarquer à droite et à gauche n'allait pas dans le bon sens. C'est-à-dire ça évoluait, mais tellement lentement. Et par contre, il y avait des postures et des attitudes qui perduraient et qui m'étaient même pires, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça n'avait fait qu'augmenter le harcèlement et la pression sur nos consoeurs, nos jeunes consoeurs. Et en plus, moi, je travaille souvent en milieu scolaire, avec des collèges, et de voir aussi la pression qu'il y a sur les jeunes filles aujourd'hui, tout ça nous inquiétait vraiment terriblement. Et on avait décidé, on en parlait, de faire un livre de témoignages. Donc de dire véritablement, voilà, comment on en est arrivé à devenir journaliste sportive, comment on a été reçu, on était les premières. Ça n'existait pas. Entendons-nous bien, il y avait quelques journalistes femmes, mais elles étaient reléguées, parce que dans l'esprit des hommes, c'était bien relégué, au sport féminin, ou au patinage artistique, à la gymnastique. En général, c'était ce genre de sport, voyez. Mais certainement pas au sport dit masculin, c'est-à-dire le football, le cyclisme, les sports mécaniques, enfin toutes ces choses-là. Et donc, on était les premières quand on est arrivées. Et on savait, nous, qu'on allait devoir se battre. Et on l'a fait, forcément, parce qu'on savait qu'on allait bousculer tout le monde. Donc, ça ne nous a pas étonnés. Et on s'est dit, il faut qu'on raconte ça. Il faut qu'on raconte qu'on est arrivé face à la forêt vierge, on a dû y aller à la machette, qu'on a ouvert des chemins et qu'on s'est dit qu'après, les chemins seraient faits, que les autres pourraient s'y engouffrer. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas normal. Donc, de raconter tout ça, de faire un état des lieux et de dire, et alors ?
comment ça se fait que ça ne se soit pas passé. Malheureusement, Marianne, que vous connaissez sans doute pour certains, en tout cas Marianne Macco, qui était une des trois, donc, est décédée d'un cancer. Et à ce moment-là, Clarence Rodriguez m'a dit, ben, on ne pourra pas le faire. Et on était très ennuyés parce que, enfin, moi, personnellement, ça m'étouffait. Il fallait vraiment que ça sorte à ce moment-là, sans doute lié aussi à la libération de la parole. Nous, à l'époque, on avait été des bons petits soldats. On avait fermé notre bouche et on avait, c'était dit, on va montrer qu'on est compétente, on va montrer qu'on tient le coup, qu'on a du répondant, qu'on n'est pas des petites choses fragiles et on va la faire, notre place. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui nous disent « Oui, oh, les féministes, on a marre et tout, pourquoi ça hurle comme ça ?» Vous n'avez qu'à faire ça gentiment avec le sourire. Mais ça fait 35 ans qu'on le fait gentiment avec le sourire. Et ça n'a pas avancé, en tout cas pas suffisamment. Donc on l'a fait, c'est bon. Et donc, en fait, il était temps que ça explose. Et j'ignorais, moi, quand j'ai écrit le livre, j'ai fini le manuscrit en juillet dernier, donc 2020. J'ignorais que Marie Bortolano travaillait sur le documentaire qui est paru là, enfin qui est sorti sur les écrans au printemps. Donc visiblement, c'était le moment pour nous toutes de parler. Il y avait eu une montée comme ça et ça a explosé en même temps. C'est totalement fortuit, mais c'est pas du tout concerté. Mais voilà, il était temps que la vieille garde et que les vieux crocodiles beaufs et machistes s'en aillent. Parce que je précise, la jeune génération. Il y avait déjà des gens très bien. Mais malheureusement, c'était ceux qui étaient au poste clé. Voilà. Et j'espère que la jeune génération, elle, est différente. Voilà. Merci. Alors pour la jeunesse, peut-être en recherche. Moi, donc, je viens de l'université. Mon parcours est très différent, mais il faut l'entendre. Il faut entendre ce que je vais dire en résonance avec ce que vous venez d'écouter. Donc moi, je suis une historienne. Enfin, je suis littéraire, mais historienne de la presse. Je ne viens pas des études de genre. Donc rien ne me prédestinait en fait à faire un livre sur les femmes journalistes. Hein. J'avais toujours travaillé. Alors j'allais dire en régime mixte, mais ce qui veut dire, vous comprenez bien, que je travaillais essentiellement sur des hommes, puisque c'est comme ça que l'histoire littéraire et culturelle de la presse nous est parvenue. Et puis en fait, ben, mon travail c'est aussi de m'immerger dans le journal, donc de lire, et puis de regarder un petit peu, bon, puisque c'est ma spécialité, les inventions en termes de pratique, de poétique, de journalistique. Et donc, petit à petit, j'ai vu émerger de plus en plus, en travaillant, des grandes femmes journalistes. Delphine de Girardin, qui a peaufiné la chronique mondaine au XIXe siècle. Séverine, qui a ajouté beaucoup de pratiques, notamment dans le reportage d'identification au tournant du XIXe et du XXe siècle. Et la plupart de ces femmes, et il y en a de nombreuses autres, hein, des centaines et des centaines, ben, elles n'apparaissaient pas en fait, dans les histoires de la presse. Enfin, Delphine de Girardin, par exemple, dans l'histoire générale de la presse française, on l'appelait Delphine Gay, l'aimable femme de Girardin, alors que c'est une des journalistes les plus inventives de notre histoire. Et donc, c'est à cause de ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Alors, c'est un livre qui m'a pris énormément de temps. J'ai commencé il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Et donc, ce n'était pas lié du tout à l'actualité. Et j'ai été en quelque sorte rattrapée et portée aussi par l'actualité, puisque quand il est sorti, en fait, ça a coïncidé avec la dénonciation de la Ligue du LOL, le mouvement hashtag MeToo, etc. Donc, en fait, il y a eu une bonne conjonction, disons, pour faire reconnaître, alors moi, ces femmes du passé, donc, plutôt. Oui, très bien. Alors, je suis sociologue d'approche. Hein, je travaille en sciences de l'information et de la communication, mais l'approche que j'utilise passe essentiellement par la sociologie. Je n'ai pas eu non plus un parcours préalable en études de genre. Et je suis venu à ce sujet-là vers 2015, je pense, sur sollicitation d'une revue spécialisée en études de genre, travail, genre et société. Je me suis posé la question de savoir en quoi je pouvais être légitime pour m'engager dans ce travail-là, à la fois en raison de mon manque d'expérience, mais aussi peut-être ma position en tant qu'individu. Et j'ai pensé tout au long du travail qu'il était légitime qu'effectivement je puisse, comme un autre, comme une autre personne, participer au travail de réflexion et à quelque chose que j'estime effectivement être de l'ordre du mouvement, de quelque chose qui doit être et qui doit changer.
La revue qui m'avait sollicité, vous travaillez sur la notion de prouesse et de risque dans l'ensemble du travail. Et finalement, comment ces notions de prouesse et de risque sont des notions qui contribuent à exclure des individus du travail, en l'occurrence, à exclure les femmes de certains emplois. La prouesse, parce qu'au fond, c'est renvoyé. Alors, ça peut être aussi des hommes dans certaines circonstances, mais enfin, quand même, c'est un mécanisme qui s'applique essentiellement aux femmes. C'est de renvoyer finalement les femmes qui effectuent certains métiers dits masculins ou qui sont réalisés principalement par des hommes comme étant finalement exceptionnels. Et le discours sur l'exceptionnalité m'intéressait parce que je voyais bien que c'était un discours qui permettait en fait de continuer à exclure et peut-être aussi à exclure extrêmement violemment puisque l'exceptionnalité faisait que d'une certaine manière, comme ça a été dit par des chercheuses, l'exceptionnalité, c'est un discours qui vise à dire à ces femmes qu'elles ne sont pas véritablement des femmes puisqu'elles font un métier d'homme. Et l'autre sujet qui m'intéressait beaucoup dans ce numéro de la revue, c'était l'idée que de risque et que le risque était l'argument, un des mécanismes aussi de l'exclusion. C'est-à-dire que c'est en raison du caractère protecteur des hommes qu'ils ils font en sorte, alors ils, mais c'est aussi les rédactions, les organisations, etc., que des professionnels, eux, se trouvent exclus du travail. Alors pourquoi, j'ai répondu à cette demande et puis comme je trouvais ça assez intéressant, j'ai poursuivi pour le premier travail, j'avais fait une quinzaine d'entretiens, puis finalement je suis passé à 60 pour... J'ai associé à cette recherche une autre dimension qui me paraissait véritablement importante, qui était la notion de goût. C'est-à-dire que je travaillais à l'époque avec une chercheuse de l'Université libre de Bruxelles, Florence Lecam, un autre ouvrage qu'on a publié qui s'appelle « Émotion de journaliste », où on interrogeait finalement la place de l'émotion à la fois dans la construction identitaire, mais comme outil de travail. On a essayé de travailler autour de la notion d'émotricité, quelque chose qui, une sorte de moteur émotionnel qui fait qu'à la fois on s'attache à un métier, mais aussi on trouve les moyens de le pratiquer. Et on s'est beaucoup approché de l'idée qu'il y avait véritablement un goût du journalisme et qu'il fallait justement étudier ce goût du journalisme. Du coup, il me semblait qu'une façon de dégenrer le sujet du reportage de guerre et de la présence de femmes dans ce métier-là, c'était justement d'étudier le goût des hommes et le goût des femmes pour ce métier, de l'étudier en tant que tel. Et dernier aspect, l'ouvrage s'appelle « Reporter de guerre, goût et coût ». Il me semblait qu'on ne pouvait pas échapper au fait qu'il y a des coûts à l'exercice de ce métier. Alors, c'est une chose qui a été étudiée, hein, sur notamment les coûts psychologiques. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les coûts sociaux, c'est-à-dire où se situe finalement la reconduction des mécanismes d'exclusion. Et je les ai observés par le fait que la parentalité, la maternité était manifestement un très puissant instrument de retour des femmes, d'une certaine manière, à la normalité professionnelle, c'est-à-dire qu'elles arrêtent cette activité-là. Donc au fond, on voit les femmes qui agissent à peu près jusqu'à l'âge de 35 ans, puis après elles disparaissent du champ professionnel, alors que les hommes continuent, et je dirais même que les hommes... parfois peuvent avoir des carrières avec au début 20, 25-35 ans de carrière à risque. On rentre un peu dans une sorte de normalité, on rentre dans les rédactions, dans les postes à responsabilité, et à partir de 50 ans, on va s'éclater sur les terrains difficiles, avec une recherche manifeste d'adrénaline, etc. Donc il y a des coûts en termes de carrière, mais il y a aussi des coûts considérables, c'est-à-dire de réassignation constante au genre et à la dimension du genre. Ça veut dire que dans les interactions sociales, dans les interactions de travail, ce que j'ai pu observer, alors là plutôt par des entretiens, mais aussi beaucoup en lisant les reporters, et vous avez dit que j'ai travaillé à partir de
de portraits. J'ai essayé de lire. J'ai un principe de sélection extrêmement simple, c'est de dire je vais privilégier les femmes qui ont réfléchi publiquement à leur métier, à leur pratique du métier. C'est on voit comment qu'il y a des mécanismes extrêmement puissants de réassignation à la fois à son genre, mais aussi à la prégnance du genre dans la lecture des choses. C'est-à-dire que en permanence, les individus sont renvoyés à leur genre dans le cadre de leur travail. On va dire une chose extrêmement simple, une femme et un homme ne passent pas un checkpoint de la même manière. Parce que leur environnement leur renvoie immédiatement qu'elles sont ou ils sont plus ou moins dangereux, suspects, etc., etc. Donc cette modalité-là, c'est une modalité que je prends parmi d'autres, hein, c'est une modalité du travail, passer d'une zone à une autre, hein, c'est nécessaire dans les zones de guerre, et on ne passe pas un checkpoint de la même manière, qu'on soit une femme, parce que votre environnement, vos collègues, et peut-être vous-même, vous êtes assigné à votre genre dans ce moment-là. Donc on le voit, le genre peut être contrainte, mais il peut être aussi ressource. Dans vos trois ouvrages, on le ressent. On le voit dans la persévérance des protagonistes dont Nous étions trois, mais on le voit aussi dans Femmes de presse, Femmes de lettres, que les femmes auraient accentué une tendance de la presse au XIXe siècle, la littérarisation. Vous dites, Marie-Ève, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, donc, moi, je suis plutôt dans une perspective historique, mais je pense que cette perspective historique, elle éclaire aussi le contemporain. Et donc, les femmes dont je parle évoluaient dans un système extrêmement contraint, aussi bien au niveau de leur éducation, elles n'avaient pas reçu la même éducation que les hommes, au niveau de leur socialisation, d'emblée différente, évidemment au niveau de leur accès au terrain. Alors, puisque je pars au XIXe siècle, une femme bourgeoise ne pouvait pas se promener dans la rue. Enfin, Denis parlait de la manière d'accéder au terrain. Ben déjà, rien que d'accéder à la rue dans une pratique de reportage, pour une femme bourgeoise du XIXe siècle, c'était problématique. Elle n'avait surtout pas les mêmes droits en matière légale que les hommes, puisqu'elles sont, dans la période que j'étudiais jusqu'en 1944, constamment sous le régime du Code Napoléon, donc devant demander, il faut quand même se remettre ça en tête, hein, devant demander théoriquement au moins à leur mari la permission de travailler, et surtout, ce qui change fondamentalement absolument tout pour une femme journaliste, n'ayant pas le droit de vote et pas la possibilité d'accéder à une position politique. Donc ça, c'est le cadre de départ. Et donc, devant ce cadre extrêmement contraint, il va leur falloir ruser pour accéder à des positions. Alors, donc, je travaillais sur la presse généraliste, hein. Je m'étais donné ce cadre-là parce que c'est évidemment dans la presse féminine ou féministe, on se doute que c'est une donnée de départ, qu'elles peuvent accéder aux positions rédactionnelles. Mais qu'est-ce qui se passe dans la presse généraliste, qui est une presse où finalement il y a très peu de femmes, hein. C'était aussi ça, mon enquête, elle était facilitée par le fait qu'elles sont, elles se comptent sur une poignée de main sous la monarchie de Juillet. Elles sont un peu moins de 200, en tout cas, avoir une carte de presse en 39, alors qu'on a 5000 cartes de presse dispensées par les hommes. Il faut se replacer dans ce panorama-là pour comprendre que donc elles ont dû inventer. Elles ont inventé des manières de faire du journalisme différentes. Elles ont investi des positions, alors soit en respectant les assignations genrées, donc en faisant progresser certains genres comme la chronique, plutôt tournée vers l'intimité, les mœurs, les mondanités, en récupérant un vieil héritage des salonnières du XVIIIe siècle, le bel esprit, etc. Donc ça, c'est une possibilité. Puis d'autres ont décidé de transgresser d'emblée les assignations genrées. Donc à la fin de ma période, certaines sont grandes reporters,
comme André Violis ou Tita Aina, et vont sur les terrains. Donc il y a plein de façons en fait d'être femme journaliste. Il y a plein de modèles, hein, peut-être qu'on y reviendra. Mais ce qui est important et ce qui faisait en quelque sorte l'unité de mon livre, et ce qui aussi un peu habilitait quelqu'un qui venait à la fois de l'histoire mais aussi des études littéraires pour en parler, c'est que elles ont toutes utilisé des ressources littéraires. C'est-à-dire que pour arriver à contourner ce qui était une sorte de censure, entre guillemets, elles ont fictionnalisé, elles ont ironisé, elles ont utilisé des postures lyriques. C'est-à-dire que moi, avec mon d'abord, c'était très plaisant à lire, hein, mais avec mon appareillage un peu de théoricienne de la littérature, je voyais bien que ces positions littéraires, c'était des manières, hein, en quelque sorte, de renverser les obstacles. Hein. On peut dire beaucoup de choses sous couvert de fiction ou sous couvert d'ironie. On peut signifier exactement le contraire de ce qu'on dit. On peut parler politique quand on n'a pas le droit de parler politique. Donc il y avait une sorte de... Alors, il faut savoir que le journalisme, d'une manière générale, à cette époque, il était déjà littéraire. Mais pour toutes ces femmes, il y a une hyper-littérarisation de leur pratique, si bien que quand on regarde dans le détail, en fait, j'ai intitulé le livre « Femmes de presse, femmes de lettres », elles ont quasiment toutes également une production littéraire importante. Ce sont des romancières, ce sont des poétesses. Et donc, les plus connues de mes femmes journalistes, en fait, vous les connaissez très, très bien, comme grandes écrivaines, sans forcément toujours savoir, maintenant, on en parle de plus en plus, donc sans doute vous le savez, que ce sont d'immenses journalistes. C'est George Sand, par exemple, c'est Colette, et qui ont, en quelque sorte, peaufiné, en quelque sorte, leur perspective littéraire dans la presse. Merci. Et Hélène, justement, on se rend compte aussi dans votre... C'est ce que j'ai fait aussi. et on se rend compte dans votre ouvrage que les questions genrées, elles sont un peu différentes dans les rédactions par rapport aussi avec le terrain. Il y a quelque chose de différent sur le terrain et dans les rédactions. Et Denis Roland aussi, vous en parlez. Oui, en fait, la société, Dieu merci, a évolué. Donc le regard des autres, moi, quand on est arrivé dans le sport, on n'y est pas arrivé par féminisme. Là aussi, je tiens à le préciser tout de suite, on n'est pas arrivé comme des Jeanne d'Arc en disant « on va faire tomber le dernier bastion machiste ». C'est simplement parce qu'on adorait ça et qu'on avait envie de le faire. Il se trouve que, et je lui rends hommage parce que lui, et là je donne son vrai nom, là devant vous, parce qu'il le méritait, il s'appelait Pierre Loctin, il était donc un ancien de l'ORTF, et il était le chef du service des sports de France Inter, et il a décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, pourtant c'était un ancien, lui, et de prendre, sur les 4 stagiaires, il a pris 3 femmes, et qu'il a gardées. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, nous les mousquetaires, donc on est arrivé les premières femmes comme ça dans des grandes radios et surtout à traiter les sports dits masculins. Et en fait, on a été très bien avec moi, j'ai eu aucun problème jamais avec les sportifs. Voilà, on va être clair, pourtant ils sont censés être bas de plafond, etc., etc., ce qui est faux pour pas mal d'entre eux, hein, je vous le précise tout de suite, même s'il y en a qui n'ont pas, mais ils sont très, mais aucun problème, vraiment. Et un petit peu des fois avec des dirigeants, donc déjà de l'ancienne génération, qui avaient du mal surtout quand on allait dans les vestiaires pour faire les interviews, ce qui a donné lieu à quelques séances assez croquignolesques, de malentendus. Enfin bon, je le raconte, à un moment donné, c'était comme c'était à Blois pour une match de Coupe de France de football et qu'ils n'avaient pas l'habitude de recevoir des femmes journalistes sportives, quand un vieux monsieur en impair et avec le béret, un des vieux dirigeants, m'a vu arriver avec mon agra, c'est comme ça qu'on appelait le magnétophone avec les bandes magnétiques, hein, c'était avant le numérique, je précise ça pour les plus jeunes. Il m'a vu arriver d'un pas décidé, bien sûr, pour aller faire les interviews. Il s'est mis les bras en croix devant la porte des vestiaires, non, vous ne passerez pas. Et là, il y a un des footballeurs, donc c'était en l'occurrence de Toulouse, Didier Christophe, qui a international, qui a ouvert la porte, qui a fait oh, ne vous inquiétez pas, on fait ça à chaque fois. Et il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le vieux monsieur, je sais pas, j'ose même pas imaginer à quoi il a pensé par le on fait ça à chaque fois. Donc, parce que pour eux, c'était ça, j'allais voir des hommes nus. On va dire les choses, on va appeler ça un chat, un chat, ça aussi, c'était la première fois. Or, moi, je ne voyais pas des hommes nus, parce que quand j'interviewe quelqu'un, je regarde dans les yeux, ça m'est complètement égal. Je les aurais vus dans d'autres circonstances, peut-être que j'aurais regardé leur anatomie, mais là, franchement, j'étais pressée, et puis j'avais des questions à leur poser. En plus, c'est pour ceux qui ne sont jamais allés dans les vestiaires de foot, il y a de la vapeur, souvent, ils sont pleins de terre, de sang, ça sent différents produits, etc. C'est tout sauf glamour, mais vraiment, il y a vraiment... Mais bon, donc quelques dirigeants qu'on a calmés très vite. Il y en a un qui m'a dit, et d'abord, vous n'y comprenez rien, vous êtes une femme. Et ça tombait bien parce que moi, j'ai joué 5 ans au foot.
avant d'être journaliste sportif. Donc je lui ai dit, donnez-moi un ballon. Et j'ai jonglé. Ce qu'a dû faire également ma camarade Clarence Rodriguez, si pour ceux qui ont vu le documentaire de Marie Portolano, elle a repris ça à la télévision. Il a fallu qu'elle jongle pour montrer qu'on savait de quoi on parlait puisqu'on était capable de le faire. Voilà. Mais à part ça, ça s'est très bien passé, vraiment. Par contre, c'était les confrères, parce qu'on venait dans leur précaré, parce qu'on venait dans leur cours de récréation. C'était leur domaine réservé, avec leur code, leur blague graveleuse, etc. Et je vais essayer d'être poli, ça les embêtait qu'on vienne. Alors, pas tous, hein, mais pour certains, c'était clair, il fallait nous foutre dehors. Voilà, parce que ça les gênait, on ne peut pas parler comme on veut, et puis de toute façon, comment tu oses dire qu'un tel a mal joué, franchement, pour qui tu te prends? Alors qu'ils faisaient ça à longueur de commentaires, et ainsi de suite. On n'avait pas notre place, et tous les matins, on enfilait l'armure pour aller bosser, parce qu'on avait droit aux réflexions, aux insultes, parfois donc à des défis, on va dire, plus ou moins difficiles à relever, et parfois même à des agressions, ce qui m'est arrivé. Et Dieu merci, j'ai le sens de la répartie, qui s'est bien développée d'ailleurs à cette période-là. Je l'avais déjà, mais alors je peux vous dire qu'après, c'était... on employait, nous, les termes de sport, on se disait, allez hop, passing shot le long de la ligne. Je leur ai toujours envoyé la balle, ils ont fini par se calmer. Mais oui, c'était les confrères, ça... Personne d'autre. C'était les confrères qui étaient capables de nous prendre une interview et de la jeter à la poubelle en disant tu la refais. Alors qu'il n'y avait aucune raison de la refaire. Juste pour nous mettre dans une situation difficile. Et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je ne vais pas monopoliser la parole. Mais effectivement, on va dire pudiquement qu'ils nous ont fait voir des vertes et des pas mûres. Les confrères. Souvent, il est coutume de rapprocher les terrains de jeu et terrains de sport avec ceux, justement, de la guerre, hein, parce qu'il y a de l'impondérable, de l'inconnu, on ne connaît pas le résultat. Et pour autant, Denis Roiland, vous nous dites que, justement, c'est un temps suspendu, la guerre. Peut-être que, justement, les inégalités hommes et femmes ne se ressentent pas trop pendant la guerre, oui, pour les journalistes. Hein. Oui, alors... Peut-être parce que, d'abord parce que la situation de guerre est effectivement une situation très très exceptionnelle et tous ceux qui ont, enfin beaucoup, et Jacques peut en parler, hein, beaucoup de ceux qui ont vécu la guerre s'en souviennent de façon très particulière. C'était à la fois une sidération, un souvenir extrêmement désagréable, mais aussi... très souvent un moment extrêmement fort de la vie que les individus peuvent finir par sublimer ou en tout cas transformer parce qu'il s'est passé aussi quelque chose de distinct, quelque chose qui a changé par rapport à qui a permis de voir un décor qu'on ne voit pas, un cadre qu'on ne voit pas, des relations entre les individus qu'on n'a pas l'habitude du devoir, etc., des très fortes solidarités. Isabelle Delsen disait amitié dentifrice, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire quelque chose qui est quelque chose qui ressemble peut-être un peu à la vie adolescente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est unis à la vie, à la mort, etc., etc. Donc c'est le temps de guerre, mais je pense que c'est aussi le temps du sport, je crois, c'est le temps du reportage, c'est-à-dire tous ces moments où on est en tension et où on va aller chercher finalement des proximités avec des confrères, mais aussi avec un environnement, des sources, etc., etc. Probablement dans ce temps-là, effectivement, les journalistes peuvent avoir l'impression que, un petit peu comme dans les relations adolescentes, le genre joue moins ou joue peu. Et que dans ces moments-là, on cesse d'être vu comme un homme ou comme une femme de façon excluante. Voilà, il y a des témoignages qui sont assez nets dans ce sens-là. Ceci dit, je concorde totalement avec vous quand vous dites clairement que ce sont les confrères, c'est la rédaction, c'est l'entreprise qui est extrêmement violente avec les individus. Et c'est finalement beaucoup moins le terrain qui est violent. C'est-à-dire que les exclusions, elles sont extrêmement puissantes, elles sont construites, il y a des carrières certainement qui sont en jeu, il y a des territoires, il y a des gens qui ont été socialisés dans l'idée que d'autres aient
ne devaient pas être là, et certainement conçoivent-ils que ces personnes n'ont pas leur place pour des raisons qui sont liées à leur capacité, à leurs compétences, etc. Donc il a fallu que vous puissiez jongler pour prouver que, alors que très probablement pas un homme sur 10 dans la rédaction était capable de faire ce que vous faisiez. Donc voilà, c'est l'endroit le plus dangereux, moi, il me semble, du point de vue des relations de genre, c'est la rédaction, c'est le contexte de travail, et ça, on le sait aussi parce que quand on observe les circonstances et les auteurs d'agressions sexuelles, on sait aussi que ce sont des proches. Et donc, ce sont des mécanismes qu'il faut mettre en relation. La proximité peut, et très souvent, finalement, la circonstance par laquelle les individus se retrouvent ostracisés et éventuellement agressés. Donc, du coup, le terrain, le reportage, le contexte de guerre, qui est un contexte qui, finalement, favorise ces amitiés, peut être vu comme finalement l'occasion d'être se sentir différent ou différent ou justement pas mais comme les autres. Ceci dit, il faut aussi, je le disais tout à l'heure, quand je disais on ne passe pas un checkpoint de la même manière, c'est aussi le lieu où les réassignations genrées se font de façon très très forte. C'est-à-dire que objectivement, dans les années 70, les hommes qui dirigeaient les médias, notamment les agences de presse, les grandes agences AFP, AP, Reuters, ont commencé à envoyer des journalistes femmes au Vietnam. Ils l'ont fait pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait une pression de plus en plus forte, et on est dans le contexte du féminisme américain, qui lui-même baigne dans le combat pour les droits civiques, les mouvements de jeunes gens qui sont contre la guerre. Donc, en quelque sorte, ils sont obligés d'envoyer des femmes. Mais alors, est-ce qu'ils le pensent stratégiquement ou est-ce que c'est un argument, c'est le coup de pied de l'âne habituel, en disant... comme ça, tu obtiendras plus facilement des informations parce que ça commence à être difficile finalement. Hein, tout le monde est. Voilà. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est. On sait aussi, et Catherine Ney a témoigné là-dessus, Mme Cotta aussi a. Excusez-moi, j'ai oublié son prénom. Michel Cotta a témoigné là-dessus. On sait très bien que les journalistes qui, dans la fin des années 60, sont embauchés par Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber pour aller suivre la politique au Parlement. C'est en construisant l'idée que des jeunes femmes feront plus facilement parler des hommes. Donc il y a une construction par l'entreprise pour faire en sorte que le genre, en quelque sorte, facilite ou permette finalement l'exercice d'un journalisme qui est un journalisme classique. Hein. Il s'agit d'obtenir... voilà. Donc en fait, en réalité, le terrain, ça peut être au contraire le lieu où la réassignation se fait extrêmement forte. Et dans le journalisme de guerre, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'au fond, les sources sont très souvent des hommes qui ont l'habitude du pouvoir, des hommes qui ont des armes et des hommes qui ont très souvent un rapport très genré au monde. Et donc le fait d'avoir des femmes reporters ou des reporters femmes plutôt que des hommes, en fait, ils finissent par le préférer. Alors là, les journalistes, vous le dites clairement, soit ils nous prennent pour des quiches et ils pensent qu'on ne comprend rien, soit finalement, alors ils nous ignorent, ça aussi, complètement, c'est-à-dire que notre genre disparaît. Ou alors, finalement, ils trouvent que la situation est plus agréable et qu'ils sont carrément dans un jeu de séduction. Donc, vous voyez, ça réintervient. Et du coup, je pense que, d'ailleurs, ça réintervient avec un niveau qui n'est pas uniquement de genre, mais de sexualité. Je pense qu'il va falloir réinterroger les relations de travail à l'aune des stratégies sexuelles des individus. C'est vraiment une boîte noire. On n'a pas envie d'aller sur ce terrain-là. Mais pour moi, c'est un élément extrêmement important pour essayer de comprendre que les individus ne jouent pas comme ça, des petits flirts comme ça. Ils ont des intentions beaucoup plus précises. Beaucoup plus précises. Alors, dans vos ouvrages, il y a également des choses très intéressantes au niveau des trouvailles formidables en termes de typologie, de modèles, notamment
de femmes journalistes. Hein. Denis Roiland, vous parlez de Vestale. Marie-Ève Terenti, vous parlez de Pénélope, de Cassandre, de Bradamante, les Amazones, les Sappho, les Dalila. Alors expliquez-nous un petit peu d'où viennent toutes ces étiquettes. Peut-être Marie-Ève, oui. Oui, alors c'est vrai que de présenter comme ça, ça j'ai l'air de... d'avoir imposé une sorte de typologie à ces femmes. Alors, il faut comprendre que moi, je me suis retrouvée devant plusieurs centaines de femmes journalistes et que je me suis demandé comment construire le livre. Bon, il est apparu assez rapidement qu'il fallait le construire déjà en suivant un ordre chronologique hein, et que j'allais aller de 1836 à 1944 en suivant. Mais après, comment faire devant ce qui aurait pu être qu'un répertoire de portraits, finalement, ou des analyses ponctuelles de femmes journalistes? Et en fait, alors je voyais bien qu'il y avait des stratifications par genre, qu'elles avaient commencé par la chronique, qu'ensuite elles avaient investi de différentes manières le reportage, que petit à petit, elles avaient, notamment dans l'entre-deux-guerres, été admises à de plus en plus de types d'articles. Il y a déjà des journalistes sportives dans la presse écrite, dans l'entre-deux-guerres, même si on est dans les assignations dont on a déjà parlé. Mais comment faire pour que ce livre-ci rende compte de cette littérarité dont j'avais parlé et aussi qu'il y ait une sorte de déroulement un peu fluide? Et en fait, ce sont les femmes journalistes qui, à un moment, m'ont en fait apporté cette typologie. Ce n'est pas une typologie qui vient de moi. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que, se cherchant des modèles et ne trouvant pas ces modèles, ça c'est le drame à la fois dans l'histoire littéraire, mais c'est la même chose dans l'histoire du journalisme, ne trouvant pas ces modèles dans l'histoire de la presse, il n'y avait pas de femmes journalistes. Alors, de temps en temps, elles vont chercher Madame de Sévigné et elles se disent que puisqu'elles font de l'épistolaire souvent au début... Hein, au XIXe siècle, elles prennent la forme de la chronique épistolaire. Bon, c'est un modèle, ce n'est pas très satisfaisant pour des reporters, Madame de Sévigné. Donc, en fait, elles ont été cherchées dans la mythologie. Dans la mythologie, des pseudonymes ou des instruments, enfin, des modes de comparaison. Elles se sont dites Pénélope, et comme Pénélope qui déconstruit sa tapisserie la nuit, elles avaient aussi des stratégies d'écriture oblique, ironique, où elles filaient la métaphore elles-mêmes, en fait. Les Cassandres, ce sont ces publicistes, ces journalistes politiques qui ont fait de leur exceptionnalité, qui ont fait de leur exceptionnalité une sorte de justification de l'intervention sur le terrain. Elles expliquaient, d'accord, on n'a pas le droit de vote, on n'a pas le droit d'être élu en politique, ça nous donne une forme d'indépendance, et donc on va être bien, on a le droit donc de mieux évaluer que les hommes, puisqu'on n'attend rien du jeu politique, on a la compétence et l'expertise pour mieux évaluer que les hommes ce qui se passe sur le terrain politique. C'est Marie Dagou, c'est Georges Sand, c'est Juliette Adam, et elles ont adopté toutes la même métaphorisation, nous sommes des Cassandres, pour caractériser une forme de voix lyrique, prophétique, souvent apocalyptique, parce qu'elles ont eu cette préscience, par exemple pour Marie Dagou, de prévoir l'échec de la Révolution de 48, pour Juliette Adam, de voir que on allait rejouer le combat contre les Allemands, elle a vu ça dès les années 1880, voir que là, il allait avoir une revanche. Pour Geneviève Tabouy, qui est une journaliste de l'entre-deux-guerres, elle a très tôt dénoncé la montée des fascismes, en voyant qu'on courait à la catastrophe, l'Europe courait à la catastrophe. Et donc, par exemple, Geneviève Tabouy, elle a appelé son autobiographie, ils l'ont appelé Cassandre, justement pour bien montrer que ce... Et donc, comme ça, après, alors c'était une sorte de découverte miraculeuse, comme quand, parfois on en a quand on fait de la recherche, une fois que j'avais repéré cette conjonction, il suffisait de regarder et de voir que les aventurières s'auto-intitulaient des Amazones, que dans l'entre-deux-guerres, alors c'était les Sappho, il y avait toute une... On parle de sexualisation de l'image des journalistes. Là, on est bien là. Elles sont dénoncées pour leur vie libertine, traitées comme des prostituées, etc. Elles s'autonomment Sappho. On les nomme Sappho aussi, pour référer à la poétesse grecque. Et donc, voilà. Donc, j'ai choisi, en fait, d'avoir des sortes de modèles
qui, je trouve, ça qui fonctionne bien, en fait, on peut le dire, mais sans que ça soit des cases, puisque bien sûr, on peut circuler d'un modèle à l'autre, on peut être un temps Sappho, et puis devenir une très grande reporter un peu plus tard. Donc, ce sont des figures qui cristallisent des pratiques, des poétiques, des formes d'écriture et des postures sur le terrain, en fait. Et les vestales, alors, Denis Rouellon ? Vous nous parlez de vestales à un moment dans votre ouvrage. J'ai un trou, je ne me souviens plus d'avoir beaucoup utilisé ce... Les vestales sont sacrées. Du coup, pour nous parler des grandes reporters de guerre, des doubles peines, quelque part, de ces femmes. Et je crois que Marie-Ève aussi en parle. Pourquoi on dit que ces femmes ont double peine ? Parce que, quelque part, leurs écrits vont disparaître, ils ne sont pas fixés dans un ouvrage, et en même temps, elles vont passer à côté de la féminité. Enfin, en tout cas, elles vont pas forcément être mères, elles vont avoir des vies particulières. Maintenant, vous me remettez en souvenir. Merci d'avoir lu aussi précisément les choses, parce que l'ouvrage, vous l'avez lu, je me souviens de quelqu'un qui voyait que j'avais écrit un ouvrage, je crois que c'était le premier, qui me dit une chose étonnante, qui me dit « Et t'as lu tout ça ?» Enfin, je ne l'ai pas lu, je l'ai écrit, donc après. Mais vous l'avez lu. Oui, enfin, je pense que c'est une période assez, assez particulière. C'est-à-dire qui appartient peut-être plus à l'après-guerre, ou quand des femmes ont été plus nombreuses à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça émerge vraiment au Vietnam, à aller sur le terrain. Brigitte Friand, par exemple. Alors Brigitte Friand, entre autres, Madeleine Riffaut, mais aussi les journalistes américaines Kate Webb au Vietnam, etc., etc. Et au fond, il se passe une chose, c'est que elles doivent, elles sont dans l'obligation totale de faire je ne dirais pas qu'une croix sur leur identité féminine sur le terrain, parce que ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Mais bien évidemment, dans bien des cas, en quelque sorte, il faut disparaître. Donc il faut faire disparaître son genre dans certaines circonstances, soit pour être en quelque sorte fondu dans une masse masculine, soit pour éviter d'être, en quelque sorte, d'être accroché par son genre et systématiquement avoir des remarques sexistes, voire des incitations, etc. etc. Donc, voilà, une journaliste qui disait, comme elle est d'origine québécoise, elle disait je m'habille en sac de patates. Nous, on dit plutôt sac à patates, mais elle dit sac de patates. Voilà, donc ça dépend de la circonstance, mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, là-dessus, c'est qu'un homme n'a pas à se poser cette question-là. Bon, je dis quelque chose qui est assez banal, hein, les femmes ne circulent pas dans l'espace public de la même manière et n'ont pas le même comportement, le même habillement, etc., selon la nature de l'espace public. Grosso modo, les hommes, c'est assez rare qu'ils se posent ce type de questions. Non, je pense qu'ils ne se la posent pas. Donc là, ça travaille considérablement, du coup, les modalités de travail, puisqu'il faut anticiper un certain nombre de choses, il faut prévoir un certain nombre de choses, sachant qu'en plus, il y a des réassignations constantes. C'est-à-dire que Brigitte Friand raconte que, alors qu'elle est, elle dit à un moment donné... Je m'aperçois que je parle au masculin moi-même, hein, c'est-à-dire qu'elle finit dans ce groupe où elle est la seule femme à dire parce qu'on dit autour d'elle nous les hommes, nous sommes entre nous et Brigitte est un homme comme un autre. Mais d'un autre côté, ces mêmes hommes apprécient énormément et l'incitent et lui manifestent leur satisfaction quand le soir elle met du rouge à lèvres. Donc oui, c'est le soir au campement, tout ça se passe pendant la guerre d'Indochine. Donc il y a constamment cette espèce de jeu qui construit cette position de vestale. C'est-à-dire que c'est aussi des femmes pas véritablement comme les autres, de ce point de vue-là. Et puis l'autre chose qui est évidente, c'est qu'elles sont dans la difficulté...
telle de construire une vie affective et familiale que si on regarde cette génération, celles qui ont continué longtemps n'ont pas d'enfants. Et celles qui ont eu des enfants, en fait, se sont arrêtées à une certaine époque, etc. Mais comme je le dis, je pense qu'en partie, ça reste vrai, si ce n'est que ce qu'on voit assez nettement, c'est que ça se joue plutôt au deuxième enfant et non pas au premier. Ça s'est décalé d'un enfant. C'est-à-dire que c'est au deuxième enfant que là, la famille ou le conjoint ou la communauté professionnelle dit « Bon, bah, là, ça va, hein, tu as montré que... » Donc c'est... Alors qu'avant, ça pouvait se jouer au premier enfant. Mais je me souviens aussi d'une chose importante, c'est qu'André Violis, elle commence à faire du reportage de guerre à 50 ans. À 50 ans. Et ça aussi, c'est quelque chose qui à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est comme si la maternité, parce qu'elle est bien journaliste, etc., mais la maternité est un contraint la carrière des femmes. Ce qui est particulièrement injuste, parce que si on ne veut pas effectivement finir en vestale, ou si on n'accepte pas cette identité, ça veut dire qu'il faut être extrêmement performante entre l'âge de 22 ans et l'âge de 35 ans pour utiliser le cadre de l'engagement professionnel très fort. Le reportage de guerre, c'est quand même un engagement professionnel très fort, pour essayer de construire une position professionnelle intéressante. C'est-à-dire de ne pas subir les autres assignations qui consistent à aller vers les pages féminines ou à faire du secrétariat de rédaction plutôt que du reportage, etc. C'est qu'en fait, le reportage de guerre, c'est le moyen d'accélérer sa carrière. C'est-à-dire, si j'arrive à montrer, à faire un certain nombre de reportages qui sont marquants, je rentre dans la rédaction. Sauf que ça doit se faire dans un temps qui est plus court pour les femmes que les hommes. Ou en tout cas, elles disent, voilà, à partir de 35 ans, je commence à vraiment me poser des questions très, très fort. Hélène, peut-être, vous vouliez... Oui, je vais illustrer, parce que oui, ça, c'est toujours le cas. D'ailleurs, c'est tellement le cas que, voyez-vous, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre une robe. Et c'était pour vous, parce que je me suis dit, une journaliste sportive, il faut s'attendre à quelqu'un en jean et en chemisier. Et parce que le pantalon, c'est encore considéré, même si on en porte tout le temps, comme masculin. Donc volontairement, j'aime porter les robes, mais j'ai choisi la robe aujourd'hui pour venir vous voir, pour vous montrer que c'est pas comme ça. Oui, il faisait très chaud, mais j'ai aussi des pantalons qui sont très légers, il n'y a pas de problème. Mais j'ai fait. Non, quand je voulais rebondir là-dessus, c'est qu'effectivement, nous, dans les rédactions, par rapport aux sportifs, les confrères nous soupçonnaient par principe d'utiliser la séduction. On m'a traité de groupie. Alors pour des choses aussi bêtes que quand vous couvrez le Tour de France, donc tous les matins, vous voyez les mêmes coureurs. Hein, et entre hommes, ils se serrent la main. Mais quand ils nous voient, ils nous font la bise. Ils me faisaient des crises de jalousie dignes de la cour de maternelle. Hein. Alors on était des groupies et ils nous inventaient des aventures. C'est-à-dire que moi, on me disait, oui, on sait que toi, avec un tel, tu fricotes avec celui-là. Enfin, à les écouter, j'avais un agenda très, très rempli. Ma seule façon de pouvoir... De toute façon, si je disais non, personne ne me croyait. De toute façon. Et puis, comme c'est bien connu, j'avais pas le sens de l'humour. Hein. C'était, voilà, t'as pas d'humour, tu comprends pas la rigolade et tout ça. Ma seule défense a été, je vous donne le conseil à toutes celles qui peuvent être dans ces situations-là, c'est d'en rajouter jusqu'à l'absurde. C'est quand on me disait, on sait que t'as eu une aventure avec machin, j'ai dit, tu rigoles. Tu vois, toutes les équipes de première division et tout le peloton cycliste international. Évidemment, je mettais tous les rieurs de mon côté et c'était la seule façon de désarmer toutes ces accusations qui étaient permanentes d'avoir des aventures avec eux. Et à tel point, on parlait tout à l'heure de Marion Rousse qui a été mariée à un coureur cycliste et qui est maintenant avec un autre, mais nous, on se l'est interdit. Parce qu'évidemment, on était avec des sportifs qui avaient le même âge que nous. Et on avait à peu près le même profil et on aimait les mêmes sports. Donc, on avait des choses en commun. Donc, il y en a qui ont essayé, bien évidemment. Et la réflexion, ça a été de se dire, moi, je sais que personnellement, ça a été résolu en disant non, pas un sportif. Parce que, alors là, ça sera inarrêtable, tout ce qu'on raconte sur nous concernant, de toute façon, c'est les confidences sur l'oreiller que vous avez recueillies, machin, etc. Et par ailleurs, je me disais aussi, parce que je les connaissais, les sportifs, et ils ont tendance à tous raconter. Hein. Et devant moi, ils ne se gênaient pas pour le raconter, donc je n'avais pas envie qu'on parle de moi comme ça au départ d'une course, et d'interviewer quelqu'un qui savait tout de ce que j'avais fait la nuit précédente. Donc, ça a été réglé très vite, ça a été non, sauf si vraiment c'est un coup de foudre énorme, et peut-être même j'arrête le journaliste sportif parce que c'est l'homme de ma vie, mais en dehors de ça, il ne s'est rien passé. Il n'y en a pas un qui peut vous dire qu'il a eu une aventure avec moi.
Voilà, donc quand on parle de vestale, c'est pas juste un mot, c'est la réalité. Et ça avait des répercussions, je termine là-dessus, avec, dans la vie privée, dans la mesure où nous, en tant que femmes, donc journalistes sportives, quand on était dans une réception, n'importe quoi, on rencontrait des hommes. Là, on n'était pas dans le cadre de la rédaction. Hein. On discutait avec eux. Quand ils apprenaient qu'on était journaliste sportive, c'était soit ils s'en allaient très vite, genre, je croyais qu'elle était normale, mais non. Soit on devenait leur copain de régiment. Ah, mais alors tu connais Platini, c'est génial. Et alors là, à minuit, on était encore en train de parler, de refaire les matchs, etc. Mais on n'était plus une femme du tout. Et la troisième catégorie, et là, on le voyait, la petite lueur dans le regard qui s'allumait, c'était ceux qui étaient persuadés qu'on faisait ça pour aller dans les vestiaires et voir des hommes à poil. Et donc, on était des obsédés sexuels. Et je vous laisse imaginer ce qui suivait. Voilà. Donc oui, ça a des je pense que là, c'est bien illustré. Donc c'est pas la guerre, c'est dans le sport, mais c'est exactement pareil. Oui, ça a eu d'énormes influences sur nos vies privées à toutes. Il nous reste très peu de temps, donc peut-être la parole à la salle, ou Jacques peut-être. Oui, moi je peux dire deux, trois petites choses, là j'ai écouté, parce qu'évidemment c'est tout à fait passionnant. Moi j'ai croisé un certain nombre de femmes journalistes dans le rapport à la guerre, mais c'était des femmes qui étaient ou résistantes ou déportées. Et là ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand on analyse leurs écrits, la plupart du temps, ils sont modestes. La dimension genrée apparaît, au sens, je reprends ce que tu disais, Denis, du checkpoint. Moi, j'ai comparé dans le même camp le regard d'hommes et de femmes, et ça donnait absolument pas la même chose, même lorsque le camp était réputé mixte. Hein, donc, ce qui était vu d'un côté et de l'autre, c'est comme si c'était presque pas la même histoire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre, enfin, dans ce que vous avez évoqué, il y a vraiment des figures. Ce qui émerge sont des noms, y compris le vôtre, bien entendu, dans cette centaine d'années ou un peu plus qui est retracée par vos trois ouvrages. Et moi, ce qui m'intéresse dans le rapport aux femmes journalistes, enfin, dans le cadre particulier qui est le mien sur la mémoire de la résistance et de la déportation, c'est presque le contraire, c'est-à-dire l'anonymat. Il y a toute une série de femmes qui ont eu un rôle important dont on ne parle pas. Et la construction des récits, leur prise de parole, ne se ressemble pas. Ou alors, il faudrait essayer de voir si effectivement ces fameuses typologies, mais au sens weberien, c'est-à-dire un instrument de lecture du réel, a du sens, et comment on construit la catégorie. C'est-à-dire que ce ne serait pas une autodésignation, mais ce serait de repérer s'il y a des constantes et dans les pratiques et dans les modalités de récits. Et ça, c'est plus compliqué qu'il y paraît. Donc là, je trouve que, à la fois en termes de relation à une profession, où il y a à la fois une forme de goût, mais où ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'il y a une forme de domination. Là, il ne faut pas le nier non plus. Et plus que cela, j'ai constaté dans un certain nombre de cas des formes d'intériorisation de la domination. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que tout n'est pas affaire d'imposition, mais ça fonctionne dans l'autre sens. C'est-à-dire que comprendre le journalisme au féminin, c'est comprendre aussi le journalisme au masculin. Je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux aspects. Hein, on met la focale en ce moment, pour des raisons qui ont été parfaitement expliquées là maintenant, sur une dimension, mais je crois que l'analyse que nous pouvons faire en tant que chercheurs, évidemment, c'est d'essayer de comprendre le jeu des interactions entre ces modèles professionnels ou ces situations professionnelles. Et je pense que l'ancrage dans le réel, c'est-à-dire une analyse à partir des lieux et des temps dans lesquels ces femmes ont travaillé, sont quelque chose d'extrêmement important. Et la dimension cumulative, ou bien avoir une perception, comme on le dit, longitudinale, c'est-à-dire de suivre une corde, de voir comment ça évolue, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et après, il y a un point qui reprend à la fois ce qui vient d'être dit par vous et par Denis, dans le rapport à la sexualisation ou à la sexualité, tout simplement, qui est important. On se l'interdit un peu parce qu'on a peur d'y voir ce que vous venez de dénoncer. Exactement. Exactement. Alors que, j'ai travaillé sur Louise Weiss, qui était juste petite résistante et pas déportée du tout, mais on comprend un certain nombre de ses pratiques ou certaines clés de ses romans dès lors qu'on explore cet aspect-là de sa personnalité. Le reste, c'est impossible à comprendre. Et seule une enquête avec son entourage, avec un travail d'archives extrêmement patient et peu gratifiant,
permet de comprendre un certain positionnement, y compris le rapport aux enfants. Elle, elle l'avait adopté, hein, donc c'est un cas différent. Mais bon, je crois que là, il y a une clé qu'il ne faudrait pas avoir peur d'explorer parce qu'on se dirait, mais c'est pas bien, c'est la vie privée, c'est... Non, 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 non. Dans la relation professionnelle et dans la relation autrui, c'est un point important au-delà de la confidence sur l'oreiller. Enfin, c'est... Comment ne peut-on pas analyser le réseau de sociabilité de tel ou tel journaliste pour comprendre l'accès aux sources, hein? Et c'est pas, ce ne sont pas des histoires de fesses, enfin, c'est quelque chose d'autre. C'est prendre une existence dans sa totalité. Et je pense que grâce au mouvement MeToo, à d'autres, on va être en mesure de dépasser cette dimension-là, au sens positif du terme, non pas du tout pour le nier, mais pour pouvoir prendre en compte cette dimension de la vie que Denis a expliqué tout à l'heure et qui est une des clés de compréhension aussi d'un fonctionnement dans un univers professionnel. Merci, merci pour cet échange passionnant. Alors, je suis désolée parce qu'on a vraiment... oui, je vois... oui, monsieur. D'accord, très bien, très bien. Alors, on va poursuivre les discussions à l'extérieur. Hein. Désolée à la salle d'avoir été un petit peu trop long. On peut évidemment discuter avec les auteurs à l'extérieur et vous retrouvez aussi les ouvrages dont nous venons de parler, eh bien, tout simplement dans les allées du festival, hein, sur les stands. Donc, il y a des séances de dédicaces avec les auteurs ici présents. Merci à tous et bon festival.